Bonjour, je suis Carole Beaujard et je suis spécialiste du comportement alimentaire et aujourd'hui nous allons voir ensemble les bases de l'alimentation du senior. Alors il faut bien comprendre qu'avec l'âge, les besoins en vitamines et en minéraux sont accrus. Les fruits et légumes sont riches de ces vitamines et de ces minéraux. Ce sont aussi de parfaits antioxydants qui vont protéger les cellules du vieillissement. Leurs effets sur la santé ne sont plus à démontrer. Ils constituent également des fibres et de l'eau qui vont faciliter un bon transit intestinal. Également, le lait et les produits laitiers sont une excellente source de calcium qui vont protéger les os et ainsi éviter les problèmes liés à l'ostéoporose et notamment les fractures à répétition. Ils apportent également des bonnes protéines animales, surtout si vous mangez peu de viande ou de poisson ou d'œufs. Boire de l'eau est également très important, au moins 1,5 litre par jour. Cela va permettre d'éviter les problèmes de constipation et surtout d'éliminer, de nettoyer notre organisme des déchets qu'il produit chaque jour. Et en nettoyant ainsi notre organisme, nous allons nous préserver des maladies qui pourraient passer près de nous, des virus, etc. Alors, une petite mention spéciale pour les oméga-3. Les oméga-3, ce sont des lipides de bon gras que nous allons trouver dans les poissons des mers froides que représentent le saumon, le hareng, le thon, les sardines, le maquereau. Ils sont essentiels à la vie, essentiels pour nos capacités intellectuelles et de mémorisation. Donc, c'est une excellente source d'oméga-3 et très important quand on vieillit. Et bien sûr, bouger chaque jour, marcher au moins 30 minutes par jour, ça permet de préserver notre santé, d'oxygéner nos cellules. Voilà, vous en savez un petit peu plus aujourd'hui sur ce que sont les bases de l'alimentation des seniors.